Once our estate was the envy of this land. Et ouais, après t'as foutu ta merde. On est de retour pour plus de Darkest Dungeon. Alors j'étais un peu occupé avec les mods. J'en ai mis des nouveaux. Alors, attends, j'en ai mis des nouveaux là. Oui, j'ai mis celui-là. C'est un croisé avec un casque qui sert à rien avec des ailes. C'est tellement pas pratique. Et après, les des croisés... comment dire... pas très proche de la réalité en fait, hein, vraiment, j'ai pas envie de dire banal parce que c'est pas vraiment le mot, mais voilà, sans rien de très très original, d'extravagant j'ai envie de dire, donc vraiment sympa, j'aime bien moi. Donc on va garder Faram pour lui. J'ai aussi... Il y a Nesdin que j'ai changé aussi, j'ai changé le skin, enfin j'ai pas rajouté de mode mais j'ai changé le j'ai mis le 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, l'arbalétrière. J'ai l'équipement de Faram aussi. Je l'avais pas mis. Maintenant, on l'a. Il y a deux versions avec ça, avec le devant, la protection qui est en couleurs différentes. Mais on va garder... Celle-là, on va la garder comme ça, je pense. Sympa. Ah oui, et après, on a aussi l'abomination. Donc ça, c'est l'abomination normale. Et ça, ça fait partie de Bloodborne. Bloodborne, voilà. Et après, j'en ai un autre. Alors, un autre qui est un peu embêtant. Il n'a pas dû être mis à jour, en fait, je pense, le mode. Je pense que je comprends maintenant. En fait, c'est... Je crois que quand on fait les modes, avant, ça remplaçait. Maintenant, ça se rajoute, en fait, aux chiffres. Mais celui-là, non. Donc, c'est Jester Thomas, le bouffon qu'on peut rencontrer. C'est un pyromane. Dans Dark Souls 2. Donc ouais, je... Voilà. Mais bon, on n'a plus maintenant l'original. C'est pas trop grave non plus, parce que... Voilà, quoi. Ouais, c'est pas trop grave, on va dire. Alors. La dernière fois, on avait parlé de faire de l'argent. Il nous faudrait au moins 50 000 à peu près. Après, est-ce qu'il y a des événements? Récolte exceptionnelle, c'est pas intéressant... C'est vrai qu'on m'a dit de regarder un peu les événements aussi disponibles. Ouais, non, il n'y a rien. Du coup, on voudrait... Parce que nous, on a vu ça, ça sert... on va balancer en fait tout notre argent pour les augmenter, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et on n'aura pas assez. Et après, on avait vu... Donc la sorcière, on peut pas la faire encore. On peut pas la faire encore. Par contre, on avait vu un niveau 1 ici. Bon, arrêtez de parler là, vous me faites chier. 1, 2, 3, 4. On peut envoyer ces 4 là. Parce que maintenant, on n'a plus besoin. On n'a plus des boss niveau 1. Enfin, oui, en théorie, si. On a ici. On a ici à faire. Mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête ici parce que celui-là, il a l'air d'être assez hardcore dans le sens où il va influencer énormément sur la campagne principale. Donc j'ai, pour l'instant, on le laisse de côté. Puis après, on ira comme ce qu'on fait là, en fait. Hein. Par exemple, on n'est quasiment pas allé à la crique, par exemple. Donc la crique, on l'a fait petit à petit, quoi. On est toujours à faire des niveaux 1 et tout ça. Donc je pense prendre des niveaux 1 parce que je voudrais augmenter donc elle... Comme ça, on a des 3 et des 4. Et les 3 et les 4, ça va nous permettre de faire les boss en vétéran. Parce qu'il nous en manque 2 des boss en vétéran. Là, on a fini les ruines. Je crois. Faites-vous un chemin vers le boss. Je crois qu'on a fini, normalement. Là, on a fait en... Ah, c'est peut-être un autre boss. Ah oui, parce qu'il y en a 2 par zone. Je crois. Enfin, on verra. Je pense qu'on va faire ça. Puis ça nous devrait nous donner de l'argent. Par contre... non, ça devrait pas nous donner de l'argent. Non, il nous faut ça. Donc... tac. Merde, pardon. Ça, ça, ça.
Ouais, on a une équipe. On a une équipe. 90% des pièces, putain, c'est grand. Fait chier. Comme ça, on les monte. Je vais voir un peu. Toi, t'assures tes gardes, c'est très bien. L'art de dégainer, c'est bien, mais on a le temps. Toi, t'as beaucoup de négatifs, hein, quand même. Mais après, c'est pas des négatifs trop chiants. Toi, t'as que du positif, c'est très bon. Du provision aléatoire. Prologue aléatoire. Ok, on peut prendre eux et farmer. Donc c'est des 3 hein, par contre, hein. C'est que des niveaux 3. On va pas prendre un niveau 4 parce que sinon ils vont monter de niveau, ils vont trop monter. Parce que je voudrais bien les garder parce que en théorie on va avoir deux boss à faire. Donc ça serait bien d'avoir le choix. Ça serait bien d'avoir le choix. Après il y aura Gaël. Pour sorte de tank. Fais voir. Gaël, on va te virer ça. Le stress. Peut-être un peu lui pour le stress à la limite. Mais bon, je pense que ça va en fait. Ils peuvent jouer stressé. Hein. Par contre, lui, c'est un peu chaud. Quoique non, après ça va. Non, ça va. Fais voir un peu leur équipement. Bon, après, c'est vrai qu'il faudrait économiser de l'argent, mais bon. Plonger. Le recul. On est censé faire de l'argent. On est censé faire de l'argent, pas en dépenser. Non, oh, pardon. C'est parti. Alors, toi, comme d'habitude. Vitesse. Il faudrait vraiment un truc vraiment avec beaucoup de vitesse. Je sais pas si ça existe. Toi, on a protection PV. Et après, qu'est-ce qu'on mettait? Ça. Alors, par contre, on va où? La crique. C'est quoi? C'est cove en anglais? Oui, c'est avec le bateau qu'on a fait la dernière fois. Donc... Ah oui, c'est des bêtes. C'est le truc à chaque fois que j'oublie, c'est des bêtes, des créatures. Par contre, il faudrait vraiment enlever le critique. Donc des bêtes, je crois qu'on a des anneaux pour ça. Horreur. Non, c'est pas des bêtes, c'est des horreurs. On peut en mettre deux? On peut pas en mettre deux. On peut... Je crois que c'est des horreurs, ça. Ah, je me rappelle jamais. Oui, les bêtes, c'est les cochons et tout ça. Les horreurs, c'est les trucs de poisson, là. Donc 25 dégâts, c'est bien. Avec de l'esquive en moins, c'est pas trop grave, parce qu'elle se fait quasiment jamais toucher. Dégâts et précision. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? T'as un truc pour ta classe qui est intéressant. Ah oui, ça. Change de désarmée, change de repérage. Parce que repérage, faut le dire, c'est bien pour les salles secrètes. Ça fait beaucoup d'argent. Et on voit une différence en fait quand on fait des salles secrètes. Donc oui, c'est utile. C'est utile. Alors après, je sais jamais quoi mettre.
Ça, pour augmenter le saignement, chance de saignement. Ah oui, après, qu'est-ce qu'ils font les machins là? Bah, les monstres là, ils font pas beaucoup de choses en fait. Font pas, y a pas genre les vers et tout là, des bêtes qui foutent la merde avec l'infection par exemple. Donc à la limite, on n'a pas besoin de protection. Ça c'est quoi? Résistance. Si PV inférieur. Non, c'est pas intéressant. Ça c'est à l'agonie, mais on va pas aller à l'agonie. Ah oui, la critique et dégâts, fais voir ça. Ouais, en fait, on choisit ou c'est des dégâts purs, ou alors c'est. Il y a une... On me rajoute du critique. Ouais. Ça, c'est quoi? Est-ce qu'il change de vertu? Ouais, mais ça fait trop de stress. J'ai pas envie de gérer le stress en fait de lui. Alors, c'est quoi ça? Précision si en position 4. Waouh, c'est pas mal ça. Jamais fait attention. Précision et dégâts. Esquive et protection. Critique et précision. Ouais, c'est bien ça. Je pense que les dégâts purs contre les horreurs, c'est plus sympa. Parce que les critiques, c'est pas tout le temps. Puis, ouais. Ouais, c'est bon, on y va. Très bien. Très bien. On y va. On va voir si on prend 3. Il y a quoi comme... Ah oui, il faut plein de... Des pelles. Ça... Ça l'antidote, je pense pas qu'il en faut vraiment beaucoup. Des pelles, ouais. Des pelles, ouais. 4, ça devrait être bon. Là, ça fait beaucoup d'argent quand même. Hein. Putain de merde. Peut-être un peu trop de nourriture là. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va être long. Mais ça devrait être tranquille, donc ça va. Pas trop à me soucier. L'équipe est pas 5. Mais The smell of rotting fish is almost unbearable. On est bien équipé. Voilà, très bien. 90% des pièces. Là on a un obstacle. Ouais, on va faire ça. Another mariner, another misfortune. Très bien. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption.
Nickel. Parfait. Ah les mecs, bah encore heureux qu'on ait de la nourriture en fait. Hein. Putain, vivement qu'on ait... Je crois que c'est le moulin. Comme bâtiment, où ça arrête le fait qu'ils aient faim aléatoirement, comme ça. Ce sera vraiment bien. Chut. On est des Japins. Merde, je me rappelle jamais. C'est quoi ce qu'il nous faut? Des contrats? Je crois que c'est les contrats qu'il faut. Sans déconner là-haut. Pas de repérage. Pelle. On avait dit qu'on avait besoin d'argent. Mais là, à la limite, les émeraudes, on les garde jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On prend... On a besoin d'argent, surtout. Alors pour le moment... The light, the promise of safety. Curious is the trap maker's art. Sans déconner, quoi. Unwitnessed by his own eyes. Ah là, tu fais un peu chier. On va devoir camper, je crois, assez tôt. Peut-être genre là. On devrait avoir plus de pelles en fait. Mon dieu, on a déjà plus qu'une pelle. C'est bien. Ouais, des méga couloirs super grands. Donc c'est bien ça, c'est des horreurs. Et des humains. Donc toi, on est bon? Ouais, on est bon. On peut ça le commence très vite, ça c'est cool. Ouais. Ça devrait aller, enfin j'espère. Ah, toi tu nous fais chier toi. Je peux pas... de merde.
onslaught. Très bien. Destroy them all. On est reparti. On a besoin de soins, je sais. Et merde. Putain de merde. Oh putain, le combat quoi. Tout pourri le combat. Combat tout pourri. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Merde, ça c'est des putains de pelles. Une pelle qu'il faut. Ce qui est marrant, c'est que elle, on n'a pas mis le sage. On devrait camper ici pour éviter qu'elle devienne folle. Eh ben, c'est pas fameux. C'est pas très fameux. Alors, repérage. Pêche les embuscades. Un compagnon si pieux. Straciate 5. On va mettre ça. Elle est du coup, elle est athée. Elle est athée, la dame. On est à quoi, 3? C'est pas si mal. Ornaments neatly ordered, lovingly admired. Arrête. Arrête de réagir sur ce que je suis en train de faire. Pack often attracts unwanted attention. Bon, ça va, c'est en avance. Le mec il arrête pas de se foutre de ma gueule. Là on avait un coffre je crois, mais c'était un coffre qu'on ouvre avec avec une pelle, donc du coup bah non. J'espère qu'on va retrouver. Donc comme je disais, je suis sûr qu'on va retomber contre des sur des murs. Ah, on est dans la merde hein. C'est mal équipé, faut prendre plus, nettement plus de pelles ici en fait. Faut prendre au moins limite 8 quoi si on veut tout ouvrir. Ah la vache, je suis dégoûté. Yeah.
devoir le soigner. Apparu. As life ebbs, agonie. Vistas of emptiness reveal themselves. Tu as du. Ça va. The slow death, unforeseen, unforgiving. Hein, qu'est-ce qu'il est rapide, ce con. Combien de soins seulement? Évidemment. Press this advantage. Give them no quarter. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Finding the stuff is only the first test. Ouais, bien. Now it must be carried home. Ça va être un peu compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Je suis pas trop heureux là. Ça c'est du soin de stress. Bah, ok. Super. On va camper, je crois, là. Ah, mais t'es stun, tu peux plus la protéger. J'avais pas fait attention à ça, j'avais jamais réalisé en fait. Aïe aïe aïe. De galérer avec le stress. Ah putain, il va pas mourir, faut que je le tue. Decimated. Évidemment. Non, c'est pas drôle.
J'aime bien comme ils ont des résistances de merde, mais ça passe pas quand même. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Très bien. Ouais, peut-être qu'on lui mette un soin en fait pour aider. Très bien. Ah, quand vous voulez, hein. Ça y va. Is a rarity in the fevered pitch of battle. Mais à chaque fois ça passe lui hein, c'est ouf. En 3 tours, c'est chaud. Il y a encore 2 combats à faire. Encore 2 combats à faire. Si c'est pas fun. C'est pas méga rentable, hein. En fait, pour le moment. Je veux pas dire, mais on peut plus ouvrir les coffres, en fait. C'est... Non, c'est mal joué. C'est super mal joué, là. Alors, j'essaierai de m'en rappeler pour la prochaine fois. C'est vraiment pas un run où on fait de l'argent. Un run où on galère et c'est long et c'est chiant. Ils ont intérêt tous de monter 4, hein. Putain. Pour la galère qu'on passe là. Ah, elle a même pas tué. Confidence surges as the enemy crumbles. A brilliant confluence of skill and purpose. Momentary abatement. A momentary abatement. Ah, tu te répètes, mon vieux. Well struck. Thank you.
ours. Brought low and driven into the mud. Ah, attendez, un truc. Ça, ça sert à rien. Soin d'infection, saignement, esquive, vitesse. Ça, c'est quoi? Quickly the tide turns. Mortality clarified in a single strike. Merde, mais j'ai enlevé. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, c'est la plongée que j'ai enlevée. Putain, mais quel débile. C'est pas ça que je voulais enlever. Je fais n'importe quoi. Lui maintenant, je voudrais bien lui. C'est con qu'on lui ait pas mis le les trucs pour augmenter les coups fatals. Fataux. Les coups fataux. Voilà, les coups fataux. La défense contre les coups fataux. Putain. Là, on en aurait vraiment besoin. Ça va. Non, ça va, il est mort. Plus je peux pas passer devant, donc elle peut pas faire le soin solo. Monster's size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Attends, tu fais de la merde. Ça, c'est avancé. Together, furtive and vulnerable, rats in a maze. C'est pas parfait, parfait, hein. Très bien. Trois.
Très bien. Ça va. Ça passe. Faudrait que je me note. Faut vraiment que je me commence à me noter hein, sur un papier, hein, genre plus de pelles ici, plus de machin là. In Radiance, may we find victory. Puis j'ai tendance un peu à pas assez prendre de choses quand on fait une grande expédition. Je prends vraiment pas assez. Ça c'est quoi déjà? C'est pour enlever, oui, un mauvais truc. Ah, si on pouvait lui enlever le critique, elle. Bah voilà. Merci, j'ai envie de dire. Mechanical hazards possessed by evil intent. On va enlever ça parce que c'est genre 12 tours esquive et tout en moins, ça va, c'est bon. C'est déjà assez dur comme ça, pas besoin de... Ah, yes. Bah, je crois qu'on n'a pas besoin de rajouter de la difficulté, hein, parce que ça va quoi. Pardon. J'aimerais bien aller dans... Je pense qu'on va aller dans la salle du haut. Comme ça, on en aura moins à faire en bas. On lève vos sécurités parce que là, en fait, je veux juste partir. Ouh, cool. Cool, cool, cool. Il doit nous manquer peut-être deux salles. Je crois. Deux combats d'affilée, ça c'est chiant. Laden with loot are often low on supplies. Très bien. Elle se débrouille super bien. Enfin, après, c'est elle qui fait vrai beaucoup de dégâts et tout, donc c'est un peu normal. Genre en stress, je veux dire. Je sais pas si je fais lui ou elle. Alors on va mettre elle d'abord. De toute façon, le stress c'est ce qui tue. C'est pas les dégâts, c'est le stress. J'ai l'impression que cet anneau en fait soit vraiment très très utile, je vais être honnête. Je vois pas en fait vraiment la différence quand elle tape des horreurs ou des humains. Pour moi je pensais que ça allait être vraiment gros et tout, mais en fait non.
The wounds of war can be healed, but never hidden. A trifling victory, but a victory, nonetheless. Allez, combat. Aïe. T'as 8 de vitesse, toi t'as 8 aussi. Ah, va falloir la tuer. Hein. Pour être sûr en fait. En dessous des 40%. Mais nique. Merci. La remettre cachée, elle, c'est vrai que quand elle se prend des baffes, elle se prend des baffes. Hein. C'est pas, elle fait pas que semblant. Hein. Quoique, peut-être qu'on peut tuer lui. Non, on est bon. Il reste plus qu'un. Saigné sur mon plus beau manteau. Qu'est-ce qu'on fait ça? Oui, du coup, ça c'est aussi des pelles. Hein. Des pelles aussi. Putain, mais il faut combien des pelles? And baubles paid for in blood. Dis-moi que c'est fini.
Non, c'est pas fini. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Aïe aïe aïe. Très bien. Voilà. Ça, y a rien qui marche sur lui. Oh oh. Il va devoir le tuer lui. Il va faire mal. Eradicated. As victories mount, so too will resistance. J'en sais rien. C'est rien. Voilà. Je savais bien que ça servait à rien les clés. Oh, on n'a pas fini. Je vais... Là, il y a deux combats à faire. J'ai envie de revenir en arrière. Putain, ouais, mais on est là maintenant. J'ai qu'une torche. Ah, on va devoir avancer. Le problème, c'est que j'ai qu'une torche. Je sais pas trop. Parce que si, en fait, si je voudrais peut-être retourner en arrière et aller sur la salle de droite. Salle de droite, comme ça nous permet d'esquiver, de faire qu'un seul combat au lieu de deux, alors que là on a deux combats à faire. On va voir comme ça. Decisive pummeling. Bon, ce combat il devrait pas trop faire mal, ça va. J'aurais dû stun au lieu de soigner. Ouais.
Oh, courage. Courage. A moment of valor shines brightest against the backdrop of despair. Ça fait quoi, courage? Ah putain, mais arrêtez de... C'est bon, vous avez combien de tours? Enfin, vous avez combien de vitesse, plutôt? Je peux voir le courage. Vertu, plus de vitesse. Destroy. 45. Ah, Poiscaille. Qu'est-ce que ça dure longtemps? Ça va faire une heure, je crois, qu'on est dedans, en tout. Ok, très bien. Ouh. Mais nique-toi, sans déconner. Livre de rage, ça c'est intéressant ça, non? Dégâts 20% si PV inférieur à 33%. Je trouve ça pas mal. La chance que j'ai, ils vont vouloir manger. Non, ça va. On mange maintenant ou pas? Non, ça va. Allez! Aïe, 4. Il nous fait chier à stunner. Nique-toi. J'aurais dû faire lui parce qu'il a 70%, je suis con. On est bon. Faut y penser. Je pense qu'on est bon. Ok, tout va bien. Putain de choc. J'ai deux stuns, quoi, sérieux. Oh la vache. C'est dans la merde. Fait 3 points, je vais faire 6.
Ouais, ou un crit, ça passe aussi. C'est bien. Arrête de me stresser. Ok. Je voulais pas qu'elle... J'ai pas fait un soin solo. Parce que si jamais elle crit, qu'elle le passe au-dessus des 40%, je peux plus faire ça. Et ça, en fait, c'est vachement utile. Que le saignement il est résisté. Exposed to a killing blow. Ok. Saignement, il est de 7 points. C'est pas rien en fait. Voilà. Seize this momentum. Push on to the task's end. Yeah, on a fini. Wouhou. Ça sert à quoi ça? Je crois que c'est de l'eau bénite, on a. Wouh. Ah ben putain. We will find all manner of great and terrible oh, mon Dieu. Things in this watery tomb. Eh ben, c'est pas beaucoup d'argent quand même. Hein. Il n'y en a que un qui est monté à 4. Eh ben. Et ça va nous coûter très cher d'enlever tout ça. C'est bien. A fresh irritant. To some, a sanguine memory to me. Oh, no, no, no. Alors ça, c'est 33 portraits. Est-ce qu'on peut avoir 33 portées, mesdames, messieurs? On ferait 4 de plus. Ouais, non, pas assez, je crois. Là, ça ferait 12. Non, portrait, putain, 6. Ça fait 10, fait 23. Ah! Ah, ok. Bon, lui, il a ça, c'est bien, soin reçu plus 20%, c'est cool. Elle a eu... rien de spécial. Non, c'est surtout les maladies en fait. Surtout les maladies qui merdent un peu tout là. C'est des spasmes, vitesse plus 3, précision moins 5, critique moins 5. Ah, c'est intéressant ça. Marrant ça. Alors lui il a la rage et des dégâts en plus, ça sert à rien pour lui.
Par contre, je veux bien bloquer prodige. Soin reçu plus 20%, c'est pas mal. C'est cher. Alors, des spasmes, toi t'as ça uniquement sur soi, soigne une maladie, un compagnon soigne une maladie. Donc à la limite, elle peut être vachement utile en fait pour soigner les autres. Bon, il faut que je fasse une pause, que je... ça m'a un peu fatigué. On a 50k. Ah ça y est, on a le boss. On a la sirène en vétéran. Sirène et sorcière en vétéran. Silence dans les cryptes. Je sais pas ce que c'est. Encore ça. Putain, tu te fous de moi, quoi. Ouais, c'est mon enseignement. Ouais, mais ça, c'est un cours. Compétence de soins plus 25% et PV. Ouais, non, mais PV max à 15% en moins. Putain, alors, bon, elle, on peut la reprendre. Peut-être encore au même endroit. Catastrophe. Je déteste cet endroit. Je déteste cet endroit. Au final. Alors, toi, t'as pas mal de stress aussi. Et après, on a elle, mais il y a beaucoup de stress aussi. Faut que je fasse une pause, mais d'abord, je veux voir si on peut faire un truc. Niveau 2, non, ça va être chaud. Niveau 4. Mais du coup, je pourrais plus le prendre après. Non, c'est la merde. Non, c'est la merde, c'est la merde. Je peux pas vraiment... En fait, il me faudrait ces deux-là niveau 4. Faire un vétéran après niveau 1, ça passe, mais je vais voir. Charognard blasphématoire. Ah, quoique. Un vétéran comme ça? Non, mais le soin, là, elle va péter un câble, non? Enfin, les deux, ils vont péter des câbles. Après, lui, il a ça, là. Moins 20, moins 15. Ça peut être pas mal. Ouais, quoique, à la limite, ça passe. Hein, ça peut passer. Ah oui, l'anxiété, ça va être bien ça aussi, tiens, tu vas voir. Vache. Qu'est-ce qu'il faut faire dans celui-là? Il faut 80% des pièces. Ah, ça, à la limite, ça passe bien. Non, mais on peut faire un coup comme ça, en fait. On peut faire Gaël, Kiaran. Comme ça, quand on reste, on fera ça. Elle se soignera sa maladie et... L'anxiété de Furnival et Bostel, on la garde avec nous, on la fait venir. On a des PV en moins, c'est pas trop grave. Enfin, j'espère. Ouais, ça peut le faire, ouais. Et on refait techniquement un run argent.
problème, c'est que si je les monte de niveau, ça veut dire que j'aurai pas l'argent pour monter mes niveaux 6. Parce que... Oui, parce que ça coûte cher, quoi. Bon, je vais faire une pause et je vais réfléchir à ça. Mais ouais, peut-être qu'on va faire encore un niveau un vétéran. Histoire d'avoir encore plein d'argent. Et après, peut-être que... Go le château ? Château ténébreux ? Bon, après, il a ça, là. C'est de la merde, c'est chiant. Ça va faire, ça ferait le troisième. Donc, on fait ça d'abord. Et après, on fait le château. Faut que je regarde si on doit pas baisser le stress des gens, là. Toi, t'es occupé. Ça peut aller. En théorie, on aura le choix. Ouais, mais toi, là, la gélation, là, ça coûte cher. Ouais, non, non, je pense qu'on est bon. On fera ça. Ok, je pause, je reviens tout de suite. Allez, de retour, let's go. On voulait faire quoi? Ça. Pourquoi ça lag? Pourquoi ça lag? J'ai relancé le jeu, ça lag. Ok, en tout cas, on continue notre épisode, on va le finir. On va faire ça. Qui c'est qui avait quoi, toi? On t'a enlevé les objets, hein. Oui. Alors, Gaël était très bon. Gaël était très très bon. Alors, critique et dégâts. Yes. Non. Esquive. Précision. Position 4. Non, c'est tireur d'élite, ça. Précision et critique. Comme ça. Position et dégâts. Oui, mais ça fait stress plus 20 quand même. Non, mais là, il va... On est d'accord qu'il va prendre cher, là. On... Il va se prendre des baffes, là, non? Protection et esquive. Cap solaire. Protection 5, esquive 10. Il n'y a pas mieux. Je peux lui mettre l'anneau. Non, je peux pas lui mettre l'anneau, j'ai rien eu. Ouais, ça devrait passer. Faut qu'on campe surtout. Ça devrait passer. Let's go. J'aime pas cet endroit. Ok. C'est parti un peu vite, mais bon. Et normalement, donc après cet épisode, si tout va bien, genre là par exemple, si on arrive à faire un peu d'argent et tout ça, qu'on arrive à 60-70k, en théorie, on peut possiblement... Oh mon dieu, c'est quoi cette... Oh, c'est pire que tout, quoi. On peut possiblement... Non... Résistance. Faire le donjon. Le donjon ténébreux.
Ce qui est une mauvaise traduction, honnêtement. Parce que Darkest Dungeon, ça veut dire c'est le donjon le plus sombre. Après, en français, en deux mots, oui, non, il n'y a pas non plus. Hein. Le donjon. Donjon le plus sombre. C'est ça le nom. Elle, je l'aime beaucoup. Elle, je commence à beaucoup l'aimer parce qu'elle stresse quasiment pas, en plus. Et elle est quand même vachement utile dans... Oh putain, ça on touche pas. Enfin, un jour, il faudra le faire, hein, mais... Un jour. Mais ouais, elle est vachement bien. Le fait qu'elle stresse pas et tout, c'est vraiment cool. Puis la façon de jouer, c'est cool. Ouais, ça... Faudrait juste avoir deux personnes, genre très solides. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu fragile, ce qu'on a. Puis après, ça passe. Alors du coup, on fait ça ou on... Ouais, je dis pas... Ouais. Ça, on a encore plus de protection et tout. Faut voir, t'es à combien? 48, 27 d'esquive, c'est pas mal. Là, il a quasiment rien pris hein, sur le crit. Non, mais stoppez les crits, là. Non, mais sans déconner, quoi. Faites exprès, les mecs. Et on les met quoi? Faut toujours être 75. Est-ce que c'est normal, un 45 à son niveau? Elle est pas... Elle a l'équipement niveau 3, pas plus. Ou 2, non, 3. 3, ouais, les horreurs, ouais, peut-être ça marche bien. Ah non, mais elle a tué un humain. C'était un humain, non? Mais enfin, bref. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que quand on fait double, ça fait con hein, ce que je veux dire, mais... Si on fait double marque, ça marche mieux. Ou alors, la marque de lui, en théorie, elle reste à tout jamais, et mieux. Je sais pas, genre elle a peut-être un pourcentage plus élevé que les gens le prennent pour cible. Je sais pas si c'est un truc qui existe. On va aller tout en bas. Non, touche pas. Putain de merde quoi. Ok. Non, on touche pas. Yay. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Non, c'est quoi ces trucs?
En plus, il a esquive 7, protection 18. Ah merde. Ah, ça va. Esquive 7, protection 18, protection 25. Ouais, 25 plus 18, ok. Ouais, non, non, ça va. Hein. Non, ça marche bien là comme ça. Éradiqué. 51. Je vais saigner sur mon beau manteau. Ah ah. On va faire du soin un peu et on est bon. Ah, vous vous rappelez ce que j'ai dit par rapport à la marque? Les conneries, de la merde. Ça marche pas. C'est juste de l'aléatoire. Joli. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Continue the onslaught. Destroy them all. Des contrats. C'est pas grave. Ah, attendez, putain. Ah, j'aurais pu balancer les joyaux. C'est pas grave. Ok. Où est-ce qu'on va se reposer? Il faut dormir une fois. On va peut-être se reposer après ce combat-là. Of safety. Ok, très bien. Ouais, très bien. J'ai dit très bien un peu trop tôt, je trouve. Parfait. Il y aurait la marque, les mecs, c'est sympa. Fait plaisir toujours. Ouais, il prend beaucoup moins que l'autre hein, quand même, hein, putain. Ah putain, pourquoi je fais ça? Quel con. Faudrait lui augmenter les résistances.
avec ça. Il y a 12 en plus. Pas mal. Je préfère le tuer parce que je sais pas s'il va pas passer devant notre Gaël. Ah ou. In Radiance, may we find victory. Sept à 12. Comment on va faire pour lui derrière ? On va le faire en deux tours. Toujours la même. Et il est elle est relou son attaque. Merde. Voilà. This expedition at least promises success. Blam, 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 blam. On peut camper là. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Qu'on va pas les garder les bijoux. Ok, très bien. Alors, ouh là 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 là. Donc je crois qu'on est obligé de déjà faire ça parce que toi t'as pas. Ouais. Alors, empêche les embuscades. On a change de déstresser tout le monde. 3-3, il nous reste 8. Hein. Ah putain, il nous faut ça. Alors du coup, c'est anxiété à elle qui est le plus emmerdant. Donc. Voilà, très bien. Un peu de tabac en la journée meilleure. Nickel. Bon, du coup, il me reste plus que 5 points, donc bon, on est un peu limité. Ou je le buff en dégâts, ou je baisse le stress de tout le monde. Je pense qu'on va faire ça. 15-15. Ah, et repérage. Très bien. Ouais, Karan, elle est nickel. Hein. Stress pas du tout. Je comprends pas vraiment trop pourquoi.
Alors, soin de stress reçu, plus 10%, d'accord. Ouais, non. Quand on est furtif, on n'a pas. Je sais pas. Bah, oui, non, elle se fait pas toucher, tout simplement. Hein. C'est juste ça l'explication en fait, y a pas vraiment chercher plus loin. Hein. Elle se fait pas toucher, elle se fait quasiment jamais toucher. Et en l'ayant furtif, je suis sûr que quand par exemple il y a un critique dans l'équipe, je crois pas qu'elle prend les furtifs. Faudrait bien faire ça un jour. On le fera un jour. Ah, et après, elle désamorce aussi. Elle désamorce beaucoup. Fun. A powerful blow. Ah, ils sont horribles ces trucs en fait. Très bien. Inspiration and improvement. Je sens que le combat va être long, je sais pas pourquoi. Quel, très bien. A time to perform beyond one's limits. Ah mais tu peux les one shot? Ah non non, c'est 7 je crois, j'ai vu 7 le minimum. Très bien. Très mal. Ah, non. Ouais, c'est non, si, ça c'est chiant quand même. 7 à 12. Non, non, ça c'est chiant. Le saignement comme ça, moins 50%. Ah non, c'est la merde. C'est con parce qu'on t'a enlevé une maladie juste avant. Genre, tu fais exprès quoi. Tu fais exprès de nous les casser. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Ah, je me rappelle plus encore ce qu'on avait besoin. De toute façon, ça, il faut que je le vire, parce que c'est de la merde. Et après, on virera ça pour le reste.
bien. Ah. Ah. Obsession pour la nourriture, c'est relou. Hein. Ouh, t'as du stress pour les, la tanière, pour les ruines, c'est ouf quoi. Tanière et ruines, ça c'est, enfin, c'est chiant quoi. Après, l'option pour la nourriture, ça me saoule un peu, parce que la nourriture, c'est pratique. Voilà, très bien. Faut être honnête, c'est pratique en fait. De trouver des poissons et de pouvoir... les bouffer. Trésor en vue, qu'est-ce qu'il a dit ? Trésor en vue. Ça va être un peu long ce combat. Ah putain, fou. Voilà. Allez, tu vas me stunner. Oh putain, pourquoi? Ah, évidemment. Bon, c'est pas grave, on va one-shot lui alors. Je voulais lui faire un soin, comme ça il a la protection contre le saignement. Enfin, un peu plus, quoi. Ah, merde. Tiens! Enfin, ça nous aide pas, en fait. Aïe aïe. Ah merde. Tiens, t'as prendre. Eh, bouge pas. Tes buffs là, tu vas nous faire chier. Ce serait bien d'avoir, comment il s'appelle, Vanguard, pour le buff là des dégâts, parce qu'elle, elle a déjà un, genre un plus 95 de dégâts par exemple. Donc ça... Plus le buff de Vanguard... Ce serait pas mal. Eh merde... Je peux pas faire le jugement. Le jugement fait très mal. Ça m'embête. Plus j'aime bien que quand elle fait des critiques, elle prend de l'esquive en plus. C'est pas mal. Donc on peut à la limite la bourrer de genre de babiole qui baisse l'esquive ou alors qui baisse les HP plutôt même. Et puis bon, elle est quand même résistante parce qu'elle va jamais, elle se fait pas trop toucher. Donc c'est vraiment bien. J'ai remarqué.
mais ni que toi. A victory nonetheless. Alors, là ça me fait quoi, 2000 2000 d'or. J'ai bien envie de balancer les bandages, honnêtement. Faire ça. Ça, on peut en avoir encore besoin. Les passe-partout, ça sert strictement à rien. J'arrête d'en prendre. Tiens. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'il y a après, donc autant garder. J'aurais dû jeter les clés, je crois. Mais bon, enfin, c'est un peu aléatoire. Après, des fois, il y a des coffres, hein, mais c'est juste que c'est rare. C'est pas le plus commun ici, en fait. Mais il y a des coffres. Tiens, faut qu'on soigne un peu. Très bien. Yes, let's go. The way is lit. The path is clear. Ouais, we require only the strength to follow it. On a deux gros tanks. Oh ma mamie. Non, on n'a pas fini, hein. Oh, joli. Et ça va être ça tout le long, ça va être bien. Est-ce qu'ils ont infection 30%? Bon ben, go infection. Ah merde, j'ai pas infection. A brilliant confluence of skill and purpose. Un à deux quoi, s'il te plaît.
a killing blow. On va y arriver au bout d'un moment, mais bon. Par contre, il faudrait que je fasse l'attaque. Avec Karan. Comme ça, en one shot, déjà, ce sera un peu mieux. Faut juste pas qu'il le protège maintenant, ça serait con. The blood quickens. Yeah, ni que toi. Bon, toi, fais rien. Ringing ears. Blood vision. Ouf. The end approaches. Ça va, il est mort. 1, 2... Je crois qu'il va sûrement... Oui, je sais, je sais. Je suis en train de faire quoi là? Bah des putains de tanks increvables. Qu'est-ce que je te dise, moi? Yay. Yay, 2 points. Mais en plus il critique à fond hein, le mec hein. Il a critique plus ou quoi? Non. Oh putain, mais c'est elle qui a stressé. There can be no hope in this. Versé, pris la lumière, calme ta parole. C'est vrai que elle passe à travers la protection, donc bon, c'est pas si pourri que ça en fait. Je suis déjà assez souillé. Ben un peu plus, un peu moins, c'est pas grave hein, au final, du coup. Presque la fin. C'était presque la fin. Laisse-moi jouer. Merci. The wounds of war can be healed, but never hidden. Je crois qu'on a presque fini. Yes. Holds dominion, black as death. Nickel, donc ça c'est 1200. Là on a quoi? On a un obstacle, un curio. On a encore une pelle, enfin deux pelles. Attends, comment on va faire ça?
c'est pas mal. Si c'est ok, c'est juste une torche. Ah, c'est une torche qui coûte 1250. Tiens, on va aller à la. Fais-moi du repérage, je t'en supplie. Là, ça serait vraiment nickel. Yes, fais voir un peu. On peut aller devant le curio et s'arrêter. Alors déjà on peut faire ça, comme ça ça lui fait baisser son stress à elle. Elle nique elle, on peut l'envoyer jouer je sais pas combien de fois d'affilée. Du coup j'ai plus rien. Parfait. Despite its morbid aspect, this twisted cavernous maze seems almost traversable. J'avoue que c'était pas mal. Ah, ça c'est horrible par contre. Ok. Ennui, ok. Ah ouais, non mais... Dans ce truc, dans ce lieu, ils attrapent tout plein de maladies facilement, quoi. C'est fou, hein. Il meurt mal, il y a PV max, moins 20%, putain. Pas pire, est-ce qu'il y a pire? Est-ce qu'il y a pire dans le jeu? A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Aïe 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 aïe. Ok, on est à 73k. Et théoriquement plus si on vend des choses. Ouais, mon dieu, quoi. On a flagellant 1. Mais je crois pas que ça soit utile. On en a déjà plusieurs des flagellants. Marée douce. Science. Silence dans la crypte. Soleil dans les forêts. T'es sérieux là? C'est toujours la fiole? Merde. Tu me fais chier le jeu. C'est bête qu'on soit, on soit incapable de voir en fait ce que c'est là tous ces événements. Parce que je sais que je suis allé regarder vite fait sur internet, je sais qu'il y en a énormément des événements apparemment. Des événements d'histoire, des événements comme ça. Parce qu'en fait je voulais voir si on pouvait pas, s'il n'y avait pas un moyen de payer moins cher pour augmenter les armes et tout ça. Bon maintenant on a 70k donc c'est pas trop grave en fait. Mais je voulais voir qu'il y a un moyen. Et apparemment il y a des événements où tu peux faire un niveau... alors je pense que c'est un niveau par personne, genre d'armes ou armure. Mais je sais pas comment il se déclenche en fait. Et je sais pas le nom. Ça je pense que peut-être c'est comme celui-là qu'on avait eu ici, à la tanière. Ça doit être genre plus de dégâts et de l'expérience dans la crypte. Là on doit pas avoir pareil, donc soleil dans les forêts peut-être, je sais pas trop. Marée douce ça doit être pareil. Bon, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors, là, on est bon, on est au max. On pourrait déjà faire ça aussi, ça réduirait le coût. C'est vrai que ça réduirait pas mal le coût. On va voir. Parce que comme j'ai dit, autant payer très cher. Et après, on gère le reste. Donc, si on veut ça... Putain, il faut que je le note. C'est 26 et 24, c'est pas trop.
Donc il faut au moins 24 contrats. Donc je peux dépenser un peu des contrats. 25, 24. En ça. Hop. 24. Et il nous faudrait donc 33 portraits. Comment on fait 33 portraits? Les bustes, j'en ai pas besoin. Ça ferait 5, ça ferait 31. Ok. Après, c'est 26 et combien? 84. Ça fait 100. Donc. Non. 110. 110. Donc j'en ai 26 que je pourrais balancer. Et en théorie, on peut avoir. On peut avoir les deux. Fais voir un peu. Strict regimen is paramount if one is to master the brutal arithmetic of combat. Let's go. Let's go. Ah, j'aurais dû le laisser parler parce qu'il a il allait sûrement dire quelque chose ici. Merde, c'est pas grave. Bah si, c'est grave, ça me fait chier. Je peux plus revenir en arrière, ça sauvegarde automatiquement. Non, c'est pas grave. Voilà, là on a bien géré, donc du coup on peut. On peut voir un peu la différence. Voilà, 4000. Au lieu de 4500, je crois que c'était. Hein. Donc déjà, ça fait quand même. Ouais, ça fait quand même beaucoup moins cher. Et maintenant, on a aussi donc le niveau max pour les habilités. Donc théoriquement, on est bingo. On est bingo pour. Pour faire les gros donjons pas beaux. Là, mais t'es alcoolisme, attends. Ça va être un problème, non? Tu veux pas aller voir l'église plutôt? Toi, t'es quoi, toi? La mortalité aussi, ça fout la merde. Voilà, ils font tous chier. Hein. Y'a que Kiaran qui est... Ouais, non. J'allais dire, y'a que Kiaran qui est nickel, non. Non. Bon, par contre, après, elle a ça, toujours. Donc, elle peut prendre quelqu'un et enlever la maladie. Donc, ça va. Toi, en fait, le stress, c'est pas trop grave. C'est pour ça que je le mets pas. Bon, voilà. Les trois, parce que les trois, en fait, sont bien. Ce 3, niveau 3, niveau 4. Surtout les 4, en fait. Ça va me permettre de faire les boss. D'avoir un peu le choix pour les boss. Donc, on a la sorcière, toujours. Et la sirène, maintenant. Enfin, on l'avait aussi tout à l'heure, mais voilà. Du coup, en théorie, on pourrait faire le donjon ténébreux.
Bon, ça c'est un peu relou, ça fait combien d'argent? Parce que là, on en a 3 quand même. Ça fait 3700. C'est tellement du gâchis. C'est tellement du gâchis. Mais bon. Ou alors... Ah mais après il n'y a pas grand chose d'intéressant. Genre ça pour le lépreux, est-ce que c'est bien ça? Change de vertu moins. Bon il gagne pas grand chose. En fait il y a de moins en moins de choses intéressantes évidemment. C'est normal. Hein, mais... Genre ça, expérience de détermination, 50% de stress positif. Ça c'est vraiment... Ça c'est sympa mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser du tout en fait. Dégâts pour les bêtes. J'ai déjà un anneau comme ça, non? Ouais. Faut en avoir un deuxième. Mais je veux pas faire du vétéran parce que le vétéran, il faut faire les boss. De le vétéran, on a tout ça de maintenant niveau 4. Et on commence à avoir d'autres personnes en plus. Après, on peut toujours faire ça là en niveau 1. Ça peut être intéressant faire un cours, mais bon, je vais réfléchir, je vais voir. Je pense honnêtement, je pense qu'on va peut-être faire le donjon. On va voir si on a assez d'argent. Faut que je calcule en fait. Je crois que je vais calculer et je vais réfléchir à mon équipe. Et la prochaine fois, on enchaîne pour le donjon ténébreux, je pense. Ouais, ça semble bien, parce que là, on a plein de gens. On est à la semaine 53. Honnêtement, on est allé plus ou moins vite, hein, je pense. 53 en difficulté la plus difficile. J'ai vu des gens qui étaient à 70-80. Ils étaient tout en rouge de tous les côtés. Nous, on n'y est pas encore. Nous, on vient juste de le finir. Je suis sûr que j'aurais pu aller plus vite, par contre. Si je connaissais le jeu, en fait, quand j'avais commencé. Si je connaissais mieux le jeu. Que maintenant, avec la connaissance que j'ai, on va vite. Hein. On débloque les choses rapidement. Je sais comment fonctionne la map aussi. Parce qu'avant, j'avais pas compris en fait comment fonctionnait la map avec les niveaux là. Donc maintenant, je sais. Donc, ouais. On pourrait faire du meilleur boulot. Donc, c'est quand même long. Hein. 100 au début, je me dis, oh putain, mais c'est super court et tout. Je vais jamais. C'est genre le jeu où tu fais que farmer et tout. Mais en fait, non. Si tu joues bien et que tu fais un peu attention et que tu perds pas plein de gens. Parce que oui, c'est vrai que si on perdait les gens... En fait, c'est ça. C'est que c'est long. Enfin, ça va prendre beaucoup plus de temps si on perd des gens, tout simplement. Parce que si on perd des gens, ça veut dire qu'on va devoir en reprendre des nouveaux. Tiens, en parlant de gens. C'est en reprendre des nouveaux et de les remonter, encore une fois. Et c'est ça qui fait perdre énormément de temps, en fait. Ouais, ça aussi il faudrait passer au niveau 3, comme ça on peut directement prendre des gens niveau 3. Parce que là on a fini avec les niveaux 1. On a fait tous les boss niveau 1, je crois bien. Enfin en version verte, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, en fait on perdrait énormément de temps à remonter des gens à chaque fois. Mais là vu qu'on les perd pas vraiment, ça se passe bien. Continuera la prochaine fois, peut-être pour la fin du jeu du coup. Je sais pas si ça se passe en plusieurs phases, mais on verra. À la prochaine, ciao ciao.